29 mars 2017, il est 15h27, nous sommes à Valence. Il fait 22 degrés Celsius. Au rond-point, prendre avenue de Provence. Continuez sur des 2007N pendant 2 km. Dans 500 mètres, prendre à droite sur avenue Gambetta. Prendre à droite sur avenue Gambetta. Dans 600 mètres, prendre à gauche sur rue Ligonnès.
Prendre à gauche sur rue Digonnet, puis prendre à droite sur boulevard Bancel. Prendre à droite sur boulevard Bancel, puis votre destination se trouvera sur la gauche. Dans 150 mètres, continuez tout droit sur rue des Alpes. Continuez tout droit sur rue des Alpes, puis prendre à droite sur rue Berthelot. Ok Google. Ok Google. Ok Google. Allez à la gare de Valence. Le lieu, gare de Valenceville, se trouve à 7 minutes de route de votre position dans une circulation modérée. Sur l'itinéraire vers gare de Valenceville, les conditions de circulation sont normales. L'itinéraire via rue Denis Papin est le plus rapide. Tournez à gauche. Dans 200 mètres, prendre à droite sur cours Voltaire. Prendre à droite sur cours Voltaire. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur rue Jean-Joseph Génissieux. Quand on me voit, je change de vitesse. Au rond-point, prendre rue Jean-Joseph Génissieux. Dans 300 mètres, prendre à droite sur rue de la Cécile. Prendre à droite sur rue de la Cécile. Dans 50 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur pont de la Cécile.
au rond-point, prendre pont de la Cécile. Dans 50 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur rue Denis Papin. Au rond-point, prendre rue Denis Papin. Dans 50 mètres, continuez tous droit sur rue Denis Papin. Continuez tout droit sur rue Denis Papin, puis votre destination se trouvera sur la droite. Ok Google, allez à la mairie de Valence. Le lieu, mairie de Valence, se trouve à 9 minutes de route de votre position dans une circulation fluide. Vous devriez arriver à 15h55. Prendre la direction nord sur rue Denis Papin vers rue Jevandier, puis prendre à gauche sur avenue Pierre Temar. Dans 150 mètres, prendre à droite sur avenue Victor Hugo. Prendre à droite sur avenue Victor Hugo, puis utiliser la voie de droite pour tourner à gauche sur place Aristide Briand. Utilisez la voie de droite pour tourner à gauche sur place Aristide Briand.
Nous arrivons sur le champ de Mars. Dans 50 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur place Championnet. Au rond-point, prendre place Championnet, puis prendre à droite sur place de la République. Prendre à droite sur place de la République, puis prendre à gauche sur rue Digonnet. Bon, on abandonne. Dans 200 mètres, tournez à droite pour rester sur avenue Gambetta. On abandonne la mairie. On va retourner sur l'autoroute. J'aurais pu mettre Lyon, ces imbéciles. Ok Google. Ah bah si, ils ont mis le Lyon. Allez à Lyon. Not sure how to help with any idea. Crétin. Ouais, j'ai pas pris le temps où je me suis trompé.
Bourg-les-Valence, nous sommes. Nous sommes à Bourg-les-Valence, il y a un barrage là. C'est une zone industrielle, Marcerolles, Chambannerie, la zone industrielle. Ou artisanale. C'est un Leclerc. Général Darbon. Ah oui, le général Darbon. Darbon. Non, c'est pas général Darbon, mais c'est écrit Darbon sur l'école. L'ECF, le truc d'école de conduite. Darbon. C'est une connaissance de mémé et grand-père et de mon père. Le général Darbon. On monte sur l'autoroute.